Bonsoir tout le monde, on se retrouve sur Mark of the Ninja pour j'allais me faire chier à calculer à quel épisode on est, mais en fait je m'en fous. Donc pour le nouvel épisode de Mark of the Ninja, ouais voilà, ça m'a l'air bien tourné comme ça. Qui est, la dernière fois on a fait le donjon intérieur, là on va sur une lame sur le cou. Allez, on va aller botter le cul aux méchants. Alors, j'ai 3 points, oui, parce que je me suis fait chier à me retaper le niveau précédent pour pouvoir récupérer le parchemin qui me manquait. Maintien, ouais, alors, sachant que la dynamite, je m'en suis jamais servi, enfin la dynamite, le pétard, on va plutôt prendre ça. Voilà, et donc, les 5 prochains points me permettront d'acheter l'amélioration de du pétard. Le pétard. Je sais pas pourquoi ça m'éclate. Est-ce qu'on repartirait pas sur... Ouais, allez, une voix du chasseur, histoire de pas se péter les couilles. Voilà! Alors là, j'ai rien à récupérer, donc le score, tout ça, on s'en bat les couilles. Tiens, dans l'épisode précédent, justement, le chapitre s'était terminé ici, donc c'est plutôt cool. Alors, je voulais baisser le son, parce que j'ai remarqué que dans... Des effets... Putain, les effets sonores, ils sont déjà quasiment au plus bas, quoi. Ok, d'accord, donc il y a deux gardes qui ont la clé. J'aimerais bien monter en fait. Voilà, bouge ton gros cul. Ok, d'accord, donc déjà là je peux pas y aller. Allez, accroche-toi. Bon, on y va. Mais franchement, du coup, en fait, je crois que c'était la pluie, hein, parce que là franchement on n'entend plus rien. Putain, mais une bonne jauge quoi! C'est la base de mettre une bonne grosse jauge. Comme ça, je peux doser comme je veux. Pétez pas les couilles. Ouais, mais le truc, c'est que là, je vais me coincer. Est-ce que j'aurai un moyen de faire demi-tour? Comment je fais là? Je suis coincé? Je peux pas passer comme ça? Eh ben, je suis baisé. Ah, je crois que j'ai compris comment est-ce qu'on fait pour... Ah non, j'ai pas compris. Ah si, oui, ça va. Je pense avoir compris, mais je peux pas passer par là. Alors, comment je peux faire? Faudrait qu'en fait, je les attire les uns après les autres, quoi. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a un rayon, là. Ouais, voilà, il y a un énorme rayon laser. Comment je peux faire? Bah, à part comme ça. Voilà, comme ça il va péter un plomb, ils vont tous se tirer dessus les uns les autres. Voilà, tranquille. Le problème maintenant c'est comment je passe sans me faire défoncer la gueule quoi, parce que je crois que c'est des... y a des tourelles automatiques dans la pièce quoi. Ah, j'ai peut-être une idée. Voilà. Heureusement qu'il a pas avancé plus parce que sinon j'étais dans la merde quoi. Alors toi, ici. Toi. Là 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 là. Là là. Hop, hop, et hop. Et voilà, je peux passer. Il y a quoi ici? 1000 points, ouais, je suis refait. Un parchemin que j'avais déjà. Sachant qu'en plus j'ai le max de points. Utilité 0. Hop, hop, hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? Non. Putain, je pouvais y aller proprement sans avoir besoin de déclencher une troisième guerre mondiale. Fait chier. Mais bon, tant qu'à faire, on l'a. On a l'item, autant en profiter. Ah, ah, ah. Ouais, une nouvelle épreuve des filles. Ouais, bah niquez vos mères. Hein. Non mais ça va. Il y a une mouche qui est en train de se balader sur mon clavier. Tu me gonfles, casse-toi. Putain, les joies de l'été quoi. Quand les mouches elles se disent putain, il fait vachement chaud dehors. Et si je rentrais chez les gens pour péter les couilles? Alors lui il va être relou lui. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire comme ça. Faudrait que le kleps s'avance un peu.
Le chien, vieux, le chien, défonce le chien. Le garde, on s'en battait les couilles, il était en train de se... de faire... Ah, j'ai mal à la tête, oh, je suis pas bien. Faut défoncer le chien, mec. Mais bon, ils étaient trop près. C'était à moi de bien gérer. Oula. Toi, tu vas faire un saut dans le vide. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ouais, toi, bah, tire sur ton pote, ouais. Voilà, occupe-toi. Le mec tire sur son pote, puis après il fait mon dieu, un cadavre! T'es un génie. J'ai peur qu'il me mette un pruneau, l'air de rien, quoi. Parce que là, s'il me tire dessus, je tombe. Mais si je tombe, bah je vais rien nous apprendre, mais je meurs, quoi. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Et ça, on le pète. Putain, j'ai balancé les cadavres l'air de rien. Casse-toi la mouche, putain. Ah putain, mais d'où? Ok, bah, puisque c'est comme ça, on va passer de l'autre côté. Oh, il me gonfle cet orage. Putain, mais il pleut tout le temps dans ce jeu en fait. Allez, vas-y, approche-toi, je te défonce. Allez, salut, t'as vu comment c'était en bas? Moi je vais te montrer. Et le chien. Mais putain, mais voilà, fais ton attaque, merde. Et puisque le chien, il m'aura gavé aussi, hop. Je balance tout par de support, moi, je suis comme ça. Attends, me dis pas que j'ai fait tout ça pour un putain de parchemin de merde. Que j'avais déjà en plus, apparemment. Par contre, comment je fais, moi? Je suis baisé, là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh, trop bien! Il y a une barre sur laquelle je peux sauter. Ouais, mais en fait, je sais toujours pas comment je fais pour passer les lasers. Je pense que l'idée globale c'était de garder un cadavre. Bah ben, voilà. Mais je pense que j'ai été con en fait. Parce que là j'ai pas 36 000 moyens de passer hein. Quoi? Ah putain d'accord. Ah! J'ai compris, je pensais pas qu'il se désactivait après un certain temps. C'est nouveau ça. Bon alors toi, déjà. Ça, c'est un relou. Alors lui, il est relou. Ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Voilà, hop. Et tu crèves. Mais je comprends pas, la lumière elle s'est pétée. Viens voir Jérôme, pourquoi la lumière elle s'est pétée. Qui sont cons. Je suis machiavélique. Ok. Toi, on va bien attendre que tu bouges ton cul jusqu'à moi. Et après, je vais te démolir. Allez hop, à la base je voulais le balancer en bas mais je sais pas pourquoi ça a pas voulu, le jeu il m'a dit non, tu niques ta mère. Mais voilà, mais balance-le, trou de balle. Je suis sûr que si je le fais ailleurs ça va marcher. Ouais, c'est parce qu'il y a une planque de merde à côté, ça fait bugger. Où est-il? Dans ton cul. Un vrai plaisir. There's the guard with the other key. I almost feel bad for him. J'ai peut-être une idée. Voilà. Mais bougez votre cul, non? Voilà. Allez hop, ça fait un de moins. Voilà. On fait ça. L'autre schlag, il s'est barré. Et
Et hop, toi aussi t'y passes. Et on récupère la clé. Le souci étant maintenant, c'est bien, j'ai des clés, mais je l'utilise. Ah, j'ai compris. On va fermer la porte par mesure de sécurité. Merde, je suis con. J'ai couru comme un teubé. On va attendre qu'il se rebarre du coup, j'aurais pas dû courir. Du coup il entend, je me bruite pas. Quand tu veux, tu dégages. Bon. C'est bizarre, je s'ébruite pas quand même, mais... Il va vérifier dehors. Pourquoi est-ce que les méchants... Voilà. J'ai peur du coup que ça fasse du bruit. Non, ça va, tranquille. Comment oses-tu me pousser à te chercher? Moi je pousse rien. Ah putain de kleps de merde là. Mais chope-le, je sais pas, fais une attaque. Et défonce-le. Voilà, et là tu le butes. Putain, relou non? Bon bah ça sert à rien que je passe par là. Ok, déjà, je crois qu'il y a des snipers dans le coin. J'ai vu un énorme rayon rouge. Ah, si je peux passer par là. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a des cons là-haut? Il y a des cons ici? Non, il y a personne. Je pars bien haut là. Eh, mon but c'est pas de visiter les toits de Paris. Hein. Putain, je pars sur l'Everest. Et là, il y a des cons? Il y a personne. Alors, maintenant comment on s'organise? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah oui, c'est bien lui. Il y a plus beaucoup de ses gardes, mais bon. Oh, la musique épique. Ah non, c'est la même que d'habitude en fait. Alors le détecteur de mouvement ne détecte pas ces mouvements là. Ok, bah fort bien. Allez go. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Générateur. Ok. D'accord, mais comment j'y vais? D'accord, donc j'ai... Ok, d'après ce que j'ai vu, il y a un conduit. Toi, tu vas passer un très mauvais moment. Alors le conduit, ok. Il est où? Non, il peut pas être là. C'est pas possible. Il me demanderait pas de faire un saut de la foi comme ça. Et quoique, hein, j'ai bien l'impression aussi. Ok, là on va essayer. Le tout pour le tout. Je savais! Je le savais! Alors à quoi il sert ce con? Ok, j'ai compris. C'est juste moi qui suis complètement débile en fait. Ce garde en fait il sert à rien. Oula, 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 le lag, on se détend. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai compris. Je déteste ce genre de truc. Non, pas par là. Allez, go. Ça désactive les lasers. Voilà, parfait.
Et ça, ça fait quoi? Ça désactive les portes en bas qui me permettront d'atteindre le générateur. Le générateur, je passe par les conduits pour l'atteindre et avec... Putain, ça désactive une porte quoi. Le truc relou. Bon, toi, par mesure de sécurité, je vais quand même te défoncer. Parce que j'ai pas envie d'avoir un pélo qui se balade avec une arme dans le coin là. On sait jamais, ça peut être dangereux. Ah, je crois que j'ai compris, bon, faut que j'aille. Oh putain. Pas passé loin. Putain, mais le mec, je le contourne de partout. Oui. Faut que j'arrête de siffler. Salut le chat. Ouais, le chat qui se ramène à la fenêtre genre salut, ça va? Ouais, fais ton tour hein, je te dérange pas. Ouais, ouais, arrête de râler toi. On va te buter, t'inquiète pas. Tout le monde sait que t'attends que ça. De toute façon, tu sers à ça. T'es le méchant du jeu, donc tu vas crever. Ok, alors non. Ok. On s'en sort bien. Ah, j'allais me dire, c'est pas censé désactiver les lasers. Oh merde. Ouais, j'aurais dû garder le lustre pour plus tard. Waouh, mais ils sortent de partout. C'est pas grave, on va les feinter. On va tous les feinter. Toi, on est tranquille. Pourquoi il y a un laser? Ah oui, d'accord. Faut pas qu'il descende plus bas le laser. Allez putain, dégage. Par mesure de sécurité, on va quand même le défoncer lui aussi. Salut. Va voir le carrelage le plus près s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Je peux pas m'accrocher au plafond, super. Un vrai plaisir. J'ai rien pour m'aider contre eux, évidemment. Parce que j'avais tout prévu. Oh putain, il y a même un sniper, hein. Genre relou quoi. Allez, foutez-moi le camp. Comment je vais bien pouvoir me sortir de là sans foutre la merde? J'ai peut-être une idée. Il faudrait que le machin là, il dégage. Voilà, le sniper il va faire un tour et dès qu'il a fait son petit tour, je m'accroche au toit en fait. Putain, tu gonfles toi hein. Voilà, comme ça. Hop. Et il va me mettre une balle. Il va me tirer dessus ce con. Et t'as une arme? Certain? Qu'est-ce que tu branles? Mais sers-toi de ton arme, abruti! Oh, j'ai peur! Ah, d'accord. Oh, le nul. Oh, le nul. Putain, ça fait chier quand même. Au prix d'un costard. Et voilà. J'imagine que là on est de retour au temple. On est de retour à la maison. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Wait. What is this junk from Hessian doing here? Il y a quoi ici? I'd understand if his eye brought back some treasure, but
What is this armor? Eh, ça va, le chat, t'ouvres les placards? Why did he bring back guns? Quoi? Azaïs est notre maître? Pourquoi il ramène des masques à gaz? We weren't just sent to kill Karajan. We were sent to steal from him. Ah d'accord, donc en fait on... Did Azaï make you accept the mark for this? Tu veux dire qu'on s'est fait baiser la gueule? Not killing yourself? Yes, I know. You'd bring shame on yourself and your clan. But is that worse than a wrongful grave? My suspicions were right. Azaï has lied to us. I have gone to the greenhouse near Tabriz to set things straight. Go with honor. But watch yourself, Dasan. Dasan, je crois que c'est le maître qui nous tatoue. You must spare yourself. At least until we know what's really going on. Ok, d'accord. Donc en gros, on se serait fait baiser la gueule. Azaï... Oula, mais en fait, il y a un scénario développé. Azaï nous a envoyé buter Karajan. Sauf qu'en fait, c'était pour récupérer ses flingues et ses armes. Eh, qu'est-ce que tu fais, toi? Explique-nous, traître. Ou je te jure, je te défonce la gueule. You have saved us all. Tu nous as tous trahis? Comment you ça defeated our enemies. Tu... Oui. And now, we have the weapons. And... Their technology. Ah oui, d'accord, ouais, donc en effet, ça a l'air du lourd. Save us from Hessian. He'll warp everything we stand for. The time has come. D'accord, donc là, il est temps que je me suicide. Et je sais pas pourquoi, ça va plus être le temps de leur botter le cul. Mais pourquoi tu te suicides pas? Une disparition! You must not get away. Ah bah oui. Par contre, je suis un peu con d'avoir laissé mon épée ici, quoi. Tenez, je vous laisse mon arme, comme ça je peux plus me défendre. Comment ça, chargement des stats? Mais en fait, je m'en bats les couilles. T'es gentil, mais je m'en bats les reins. Bon alors. Oula, j'ai fait péter le scoring. Eh bien, voilà. Fort bien. J'espère que cet épisode vous aura plu, parce qu'on aura botté le cul des méchants et on sera rendu compte qu'en fait, nous aussi, on s'est fait baiser la gueule. Du coup, bah écoutez, on va bien voir comment ça se passe dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. Quand j'aurai fini Mark of the Ninja, alors bon, bah si j'ai la foi, j'entamerai une nouvelle série sur SteamWorld Heist, ou SteamWork Heist, qui est un jeu au tour par tour dans un univers un peu steampunk avec des robots, c'est vachement cool. Voilà, donc au moins, voilà. Pour Mark of the Ninja, je sais déjà ce qui va suivre. Parce que ce jeu me botte comme c'est pas possible. Mais en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. En vous remerciant d'avoir regardé et passez une bonne soirée.